Hey, bienvenue à tous, il y a de la joie ici ce matin, je t'invite à prendre place. Yes, 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 joyeux Noël à tous d'abord et avant tout. Mon nom est Maxime Desormeaux, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici. Et sincèrement, je veux prendre quelques instants, Église, je veux prendre quelques instants pour juste vous remercier. Merci de me faire l'honneur d'être votre pasteur. Merci d'être là. Merci aussi, ma famille et moi, on est contents de faire de cette église, notre communauté à laquelle on sert Jésus, on bâtit ici le royaume de Jésus. Et c'est un privilège pour moi et pour nous d'être vos pasteurs. Un pasteur, c'est quoi? Ça parle de Jésus. Et merci donc de me laisser parler de Jésus. Je suis reconnaissant pour ça, et parce qu'on veut être comme lui, parce qu'on veut lui ressembler, parce qu'on veut aimer comme lui, parce qu'on veut servir comme Jésus. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, nous a aimés le premier, parce qu'il nous a démontré cet amour-là et ça nous a impacté, ça a impacté la vie de plusieurs ici présents. Et si ce n'est pas ton cas, si Jésus n'a pas impacté ta vie jusqu'à présent, eh bien c'est correct, on est vraiment content que tu sois là. Merci de célébrer Noël ici avec nous au portail en ce beau dimanche matin. Et je veux dire, pour nous tous, on va partir sur la même longueur d'onde, tout le monde ensemble. On est ici pour se rappeler traditionnellement c'est quoi la raison de Noël. Okay? On va partir sur le même pied ensemble. C'est la naissance de Jésus qui, je crois, est le plus beau cadeau de Dieu pour nous. La naissance de Jésus, le plus beau cadeau. Combien ouvrent les cadeaux bientôt? Hein? Vous avez hâte à ouvrir les cadeaux? Qui ouvre les cadeaux le 24 au soir? 24 au soir, pas capable de se retenir. On ouvre ça avant le jour de Noël, la 24. Qui ouvre les cadeaux le 25 au matin? 25 au matin? Non, vous ouvrez pas de cadeaux, qu'est-ce qui se passe? Qui ouvre les cadeaux le 25 au soir, après-midi, soir? Hey, vous êtes cruels, voyons donc. Qu'est-ce que vous faites à attendre tout ce temps-là? C'est juste cruel. Ouais, c'est ça. Et qui dit cadeau dit aussi, évidemment, personnage qui amène le cadeau. Le Père Noël? Non, ben non, on va pas parler du Père Noël ici, là, on est quand même à l'église. Mais non, on parle plutôt de, bibliquement, on parle des mages, hein, les mages qui vont apporter des cadeaux. Les mages, c'est quoi? C'était des hommes riches, sages, avec une grosse barbe, probablement. Donc, pas mal des Pères Noël, OK? Ça ressemble pas mal à ça. Et vous savez, les plusieurs commentateurs, c'est intéressant, les commentateurs bibliques qui nous indiquent en fait que si on regarde le chemin parcouru par les mages pour se rendre jusqu'à Jésus, ça leur a probablement pris 2 ans avant de venir jusqu'à Jésus. Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu ou côtoyé un enfant de 2 ans, mais pour penser ou croire qu'un terrible tout est Dieu, ça c'est un miracle. Imagine juste un instant, les mages arrivent, Jésus a probablement 2 ans environ, et il leur donne en plus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tu sais, les beaux cadeaux pratiques qui sont le fun pour les parents, mais le bébé s'en fout. T'imagines juste un instant, Jésus à faire une crise de terrible two à cause qu'il reçoit de l'or. Tu sais, come on, une toupie en bois aurait fait la job. Tu me suis? Et Jésus reçoit ces cadeaux-là. Mais en fait, ce matin, je veux partager un message sur les 4 cadeaux que la naissance de Jésus nous donne à nous. 2000 ans plus tard, la naissance de Jésus nous donne des cadeaux. Alors, 4 cadeaux pour vous. Et on est dans cette thématique qui passe au travers les chants de Noël, les chants traditionnels qui ont un message biblique, des chants qui s'appuient sur le texte biblique, qui racontent d'une manière poétique le récit biblique. Et on a passé au travers différents chants. Mais ce matin, le chant sur lequel je veux m'attarder et sur lequel je veux apporter le message, me baser pour ce message, c'est celui de Sainte Nuit, qu'on a chanté juste précédemment, Sainte Nuit, parce que ce chant nous parle de paix, d'amour, de foi et d'espoir, mais dans la nuit. La réalité, c'est que la nuit, souvent, ne représente pas grand-chose de positif. C'est souvent négatif lorsqu'on parle de la nuit. La nuit est synonyme de sombre, de ténèbres, de déprime, de solitude. La nuit, c'est pas quelque chose de brillant, justement. Et il y a des gens, t'es ici, et c'est un peu ta situation, où est-ce que Noël, pour toi, c'est une nuit, et Noël n'est pas une très sainte nuit. Tu me suis? C'est juste la nuit, point. Où est-ce que tu vis peut-être des situations plus difficiles, tu vis des situations plus sombres, plus ténébreuses. Mais voici ce que le texte nous dit. « Aux nuits de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix, mais soudain, dans l'air pur et frais,
le brillant cœur, le chant des anges au berger apparaît. Vous savez quoi? Les gens, peut-être tu es dans la nuit en ce moment, mais soudain. Je prie pour un mais soudain pour ta vie. Alors que les Juifs de l'époque, les bergers et les Juifs attendaient un Messie à venir. Il était annoncé dans tous les récits de l'Ancien Testament. Il était annoncé un Messie, un sauveur, un libérateur à venir. Et là, par contre, pendant 400 ans, depuis la dernière révélation biblique, la dernière prophétie, il y a un 400 ans de silence avant la naissance de Jésus. Avant qu'il se passe quelque chose, il y a un 400 ans de silence et de la même manière, peut-être que toi, tu vis ta vie spirituelle et actuellement, tu es juste dans cette nuit, tu es juste dans ce moment de silence de la part de Dieu, puis tu dis, où est-ce qui est Dieu? Où est-ce qui est Dieu? Mais soudain, je prie que ce matin, tu puisses vivre un mais soudain, où est-ce que Dieu se révèle à toi, où est-ce que Dieu parle à ton cœur, où est-ce que Dieu vient panser peut-être des blessures de ton cœur. Amen. Je prie pour ça, pour ce Noël-ci, afin que Dieu apporte d'abord et avant tout le premier cadeau, la paix de Noël. La paix de Noël. Vous savez, ce chant Sainte Nuit a été écrit en 1816, en allemand, écrit par un prêtre autrichien dans les Alpes. Et en fait, il a été chanté la première fois un 24 décembre. Et ensuite de ça, il a été repris traditionnellement et même traduit dans diverses langues, si bien qu'en 1914, alors que c'est la Première Guerre mondiale qui éclate, il y a des gens dans les tranchées, des soldats allemands contre des soldats anglais, des soldats français. Et le 24 au soir, à un moment donné, entre les tirs, entre la guerre, entre les bombardements, il y a un moment d'accalmie et les soldats allemands vont reprendre, comme c'était la tradition dans leur foyer, vont commencer à chanter Sainte Nuit. Ils vont se mettre à chanter Sainte Nuit et non seulement tous les soldats vont commencer à arrêter de se tirer dessus et juste prendre un temps pour chanter ce chant. Et alors, les Anglais vont les entendre et à leur tour, ils vont chanter leur Sainte Nuit. Et ainsi, ils vont se répéter les chants et alors que le chant va se terminer, les soldats vont juste se lever la tête de leur tranchée, sortir de leur tranchée. Ça, c'est historiquement raconté. Ils vont aller voir les autres soldats, ils vont avoir un temps de paix. Un temps de paix, ils vont commencer à échanger ensemble, vont parler, du moins échanger des cadeaux, faire une partie de soccer ensemble, parce que le soccer unit les gens, amen. Et ils vont faire une joute de soccer, ils vont être ensemble. Le chant Sainte Nuit amène la paix, mais je dirais même plus, la naissance de Jésus amène la paix. La naissance de Jésus amène une paix dans des temps de guerre. Et tu dis, oh, ben Max, on n'est pas en guerre, je ne suis pas en guerre. Mon ami, il y a une guerre qui fait rage dans ton âme. Peut-être que tu es ici, il y a une guerre dans ton âme, ou ce que peut-être tu es rebelle à Dieu, tu es contre Dieu, tu attaques la sainteté de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Ton âme est en guerre. Peut-être que tu es conscient, peut-être que tu es inconscient de cela. Peut-être que tu es conscient que tu ne veux rien savoir de Dieu, que tu rejettes Dieu, ou peut-être que tu es inconscient, mais pour certains d'entre vous, il y a une guerre dans ton âme. Tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au camp ennemi. Et il y a cette guerre-là parce que Dieu veut que tu lui appartiennes. Il y a cette guerre-là qui fait rage. Et vous savez, ça ressemble un peu où ce que... Voici l'image. Dernièrement, ma belle-sœur, en fait, a accouché. Donc, je suis mononcle pour la première fois, d'un tout petit bébé. Et j'ai rien fait, inquiétez-vous pas. Et là, on s'en va visiter donc le petit bébé, puis tout ça a commencé. On est là avec toute la famille, puis là, on se calme avec bébé Zoé, on y va tranquillement, on prend sa calme. Et là, tout est doux, on est tout tranquille, tout. Tu sais, petit bébé de quelques jours, quelques semaines. Et là, on est tout doux. Et là, ensuite de ça, les enfants vont aller au sous-sol, vont commencer à jouer. Là, moi et mon épouse, on s'en va dans le sous-sol, puis on va commencer à jouer. Et là, mon beau-frère s'en va dans le sous-sol. Et finalement, on se ramasse tout dans le sous-sol, sauf bébé Zoé qui est à l'étage. Et là, on découvre une boîte avec toutes les fusils Nerf. Tu sais, les fusils à fléchettes, là. Et là, on prend ça, et là, la guerre éclate. Là, la Troisième Guerre mondiale est dans le sous-sol. On est là, on a les fusils, puis on n'arrête pas. La petite Malia, elle court avec son petit... puis elle lance des flèches partout. On a du fun, on rit. Et là, ça crie, et là, ça saute partout. On se fait des pirouettes et tout ça. Et pendant ce temps-là, à l'étage, il y a bébé Zoé, tout doux, tranquille. Vous savez, c'est exactement l'image de nos vies parfois. Pour certains d'entre nous,
Tu penses que tout est beau, que tout va bien, l'apparence, tout va bien, mais en dedans de toi, tu ne sais pas ce que c'est, mais il y a une guerre qui fait rage, c'est la guerre dans ton âme. Il y a ce contraste-là entre ce qui se passe à l'extérieur, ce que tu laisses paraître, mais pourtant, il y a quelque chose qui fait rage dans ton cœur, et c'est la guerre qui prend place dans ton âme. Parce que tu n'appartiens pas à Dieu, mais voici la bonne nouvelle de la venue de Jésus, c'est que Jésus annonce la paix pour toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Parce que alors que tu offenses Dieu, alors que par définition notre âme est contre Dieu, toi tu es en train de t'éloigner de Dieu, être rebelle à Dieu, mais Jésus lui veut prendre toute ta rébellion, ton péché, la Bible appelle ça le péché, il veut le prendre et le porter sur la croix afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Parce que la naissance annonce la crucifixion de Jésus, mais la crucifixion annonce aussi la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi on se réjouit à Noël à cause de la naissance de Jésus. Parce que par sa naissance, Jésus, Dieu a donné son Fils afin qu'il puisse retrouver, afin que nous puissions retrouver en Jésus-Christ la paix avec Dieu. Non seulement lorsqu'on reconnaît alors Jésus comme étant celui qui a pris nos péchés, celui qui a pris notre offense pour la crucifier à la croix, lorsqu'on reconnaît ça, on revient en paix avec Dieu. C'est alors qu'on brandit le drapeau blanc. C'est alors qu'on vient se présenter devant Dieu et dit « Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te suivre, je m'abandonne entre tes mains. » Et c'est ça, la paix de Noël. C'est la paix de Noël, c'est que la Bible va dire que Jésus est le prince de paix. Sa venue annonce la paix entre toi et Dieu, mais annonce aussi la paix dans ton quotidien. Il y a un de ces passages favoris que vous m'avez probablement entendu citer quand je prie souvent pour les gens, Philippiens chapitre 4, verset 7, qui nous dit « Alors la paix de Dieu, celle qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, celle qui surpasse toute ton intelligence, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » La paix de Noël surpasse même ce que tu penses. La paix de Noël va plus loin que ce que tu penses, va plus loin qu'un 24 heures de trêve. La paix de Noël va encore plus loin que ça. C'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un équilibre mental, c'est pas juste une petite paix éphémère. Cette paix, ça nous dit qu'elle garde ton cœur et tes pensées. Garde ton cœur et ton esprit. Cette paix, elle est active. Cette paix, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se tient à la porte de ton cœur, comme un bouncer. Jésus se tient à la porte de ton cœur, il garde ton cœur et combat contre l'anxiété, contre les inquiétudes que tu peux avoir. Il combat, il se tient, il dit non, ça ne rentrera pas dans ce cœur, je veux le protéger. Et je comprends que l'anxiété, les inquiétudes et surtout les anxiétés, c'est même une maladie complexe. Je ne veux pas apporter une solution simpliste à un problème complexe. Je veux juste apporter et dire qu'il y a, et proposer qu'il y a un problème spirituel. Il y a une solution spirituelle. Jésus veut garder ton cœur. Jésus veut œuvrer face à tes inquiétudes. Il est la paix de Noël. Une paix qui surpasse tout. Une paix qui surpasse ton état de compte bancaire. Une paix qui surpasse ton statut relationnel, de célibataire peut-être, ou est-ce que tu te mets un stress, la paix surpasse ça. La paix de Noël surpasse ton statut. La paix de Noël surpasse ton deuil, surpasse tes souffrances. La paix de Noël surpasse ton diagnostic ou même ta maladie. La paix de Noël surpasse les chicanes de famille. La paix de Noël va plus loin. En fait, quand notre savoir et notre contrôle et notre compréhension des événements s'arrêtent, tu sais, quand tu as perdu le contrôle, la paix de Noël, elle continue. Quand toi, tu ne comprends plus ce qui se passe, la paix de Noël, elle continue. Elle continue d'aller de l'avant pour nos vies. C'est ça, Jésus. C'est ça, la paix de Dieu. Vous savez, il y a un jeune couple de notre église qui, dernièrement, ont vécu une situation assez tragique. Jeune couple, ils ont une petite fille de 2 ans, c'est un couple magnifique. Et dernièrement, ils devaient déménager
Alors, se trouve une nouvelle maison, tout ça, une maison neuve en plus qui est en construction. Ils sont super heureux. Ils signent les contrats, ils règlent toutes les choses. Ben, il y a une date fixée pour qu'ils puissent entrer dans la maison. Et là, alors, parallèlement à ça, ils vendent leur propre maison pour pouvoir se coordonner le tout et tout ça. Et là, ils doivent, ils ont vendu, il y a la date pour arriver. Et tranquillement, un peu par désir, un peu par enthousiasme et excitation, le mari, en fait, le papa va. Après, au retour du travail, va quelquefois arrêter devant la maison qui est en train de se faire construire. Puis là, ils sont contents de voir ça. Mais là, de m'emmener de plus en plus que les mois achèvent, les mois arrivent où ce qu'ils vont déménager, de plus en plus, ils réalisent que la construction, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, là, parce que ça n'arrivera pas. Là. De plus en plus, ils réalisent que hey, ça avance pas vite. Puis comme on ne rencontrera pas les délais. Là. Alors, ils commencent à appeler le contracteur. Il dit « Ah, oui, oui, on va faire la job, ça va être dans les temps, ça va être correct. » Ils se font rassurer, mais lui, à chaque fois qu'il passe, il voit qu'il n'y a aucun travailleur, il voit que ça n'avance pas. Il se dit « OK, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je déménage. » Vous savez, dans les facteurs principaux de stress, le déménagement est dans le top 5. Okay? Et en plus de ça, il y a la responsabilité d'une jeune famille. Et finalement, commence à appeler, puis dans les dernières semaines, il y a silence radio. Plus personne répond. Il laisse des messages, plus personne rappelle. Il n'y a plus aucune nouvelle. Et là, il réalise que, OK, je me retrouve, moi, je dois quitter parce qu'il y a des gens qui arrivent. Et là, je me retrouve avec ma famille dans la rue, quoi. Alors, il doit faire un déménagement, tout mettre son stock dans le container. Se retrouve alors que lui rêvait de son Noël avec le sapin monté dans sa nouvelle maison. Se retrouve à être dans le sous-sol de ses parents avec sa petite famille qui ont la gentillesse de les accueillir, mais quand même, ils sont là dans le sous-sol et il doit jongler avec tout ça puis commencer des démarches juridiques. Et il y a tout ce lot de stress-là qui arrive. Et alors qu'on échangeait ensemble, qu'on discutait ensemble, voici ce qu'il m'écrit. Nous avons passé par des moments stressants et éprouvants dernièrement. Nous avions une paix et surtout une détermination à trouver une solution. C'est l'un des moments les plus difficiles que nous avons vécu, autant de façon individuelle que dans notre couple. Imagine. Je sais que ça semble le cliché, mais je suis persuadé que nous acquérons une force et une maturité grandissante lorsqu'on décide de s'abandonner entre les mains de Dieu. Mais aussi en acceptant que parfois, on perd le contrôle sur les événements. Il y a juste des fois où on perd le contrôle. Mais quand on perd le contrôle, la paix de Dieu, elle, est encore là. Dieu est encore en contrôle. Alors nous sommes appelés à juste laisser la paix de Noël agir dans nos vies. Amen. Jésus nous offre donc cette paix et aussi un amour. Le texte nous parle, le poème nous parle de « Aux nuits d'amour, sainte nuit, dans l'étable aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant que Marie endort en chantant. Il repose en ses langes, ce Jésus ravissant. » Wow! L'amour de Noël. Ici, je ne parle pas juste d'un bisou sous le gui. Hein? Je parle d'un amour vrai. Il y a cette Marie qui, tout à coup, est devenue maman. Marie a ce nouveau rôle, c'est son premier enfant. Elle est là et c'est drôle parce que, justement, ma belle-sœur est devenue maman. Puis, tu sais, il y a ces phrases qui vont te suivre toute ta vie puis que tu vas te faire niaiser parce que tu as dit ça. Je suis dans la voiture, puis on est en direction pour aller visiter bébé Zoé. Et là, je dis à mon épouse... c'est drôle parce que Vanessa, on s'en va voir Vanessa, puis c'est la première fois que Vanessa est devenue une femme. Non, pas tout à fait. Elle a maintenant le rôle maternel. C'est ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Elle est devenue une maman, mais c'est vrai, quand il y a une femme, ça va être différent là, maintenant. Là. Vanessa est maintenant une maman. Elle s'occupe de quelqu'un. Il y a ce rôle maternel-là. Et Marie vit la même chose. Là. Il y a un changement. Une femme bien imparfaite, une femme bien ordinaire, dans laquelle Dieu a décidé par grâce, pure grâce, d'utiliser pour faire son plan extraordinaire. Elle-même, Marie, reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. En Luc chapitre 1, elle le mentionne. Elle a besoin d'un sauveur, une femme bien imparfaite, mais qui donne naissance à un sauveur. Wow! Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça encourageant de savoir que Dieu utilise même des personnes imparfaites, peut-être comme toi et moi, pour accomplir son plan parfait. Et j'aime ce que Pasteur Jim me racontait, on discutait ensemble, puis il me racontait une question qu'il a posée à son petit groupe. Et voici la question. Il dit, qu'est-ce que Noël 2019 change dans vos vies? Qu'est-ce que Noël 2019 va avoir de différent? Évidemment,
naturellement, Noël est une fête où ce que tu veux renforcer des traditions, alors tu fais toujours la même chose. Noël est toujours pareil. Toujours telle date, on va chez un tel, telle autre date, on va chez un tel. On sait même qu'est-ce qu'on mange à Noël. Dit celui avec une bédaine. Et je l'ai dit à la première, donc je devais la dire à la deuxième. Mais on sait tout, tout est réglé au quart de tour à Noël. Toutes les traditions sont là. Alors, qu'est-ce que Noël change en 2019? Pas grand-chose. C'est toujours les mêmes choses. Et Jim partageait, il disait, « Est-ce que ça se pourrait qu'on oublie parfois ce que la naissance de Jésus change année après année dans nos vies? Est-ce que ça se pourrait que, alors que sa venue devrait nous impacter, devrait renouveler notre amour et notre passion pour lui, est-ce que ça se pourrait qu'on soit habitué dans nos traditions et qu'on oublie que Jésus est venu? » Pensez juste un instant. Réalises-tu ce que tu tiens entre tes mains? Marie est là, elle berce l'enfant Jésus. Elle chante à l'enfant Jésus. Elle l'emmaillote, elle l'endort. Réalises-tu ce que tu tiens entre tes mains alors que toi, tu as peut-être reçu, eu la grâce de recevoir Jésus? Réalises-tu encore une fois que Jésus est venu afin que tu puisses l'avoir dans ta vie, le tenir dans ta vie? Réalises-tu le trésor inestimable que nous avons que d'avoir Jésus qui nous habite? Noël 2019 devrait toujours être un renouvellement de notre amour et notre passion pour lui. À Noël, l'amour est né. Pensez juste un instant. L'amour est né, s'est fait chair. L'amour s'est incarné. L'amour a eu deux jambes et a marché sur cette terre. Un Jean va nous dire que Dieu est amour. Jésus est né. L'amour est ce cadeau que Dieu nous a donné d'envoyer son Fils, de marcher lui-même, être Dieu sur terre. Et vous savez, quand on parle d'amour, le texte, la définition de l'amour la plus magnifique se retrouve en 1 Corinthiens 13. Et vous savez, 1 Corinthiens 13 est reconnu pour étant ce texte biblique que parfois on va apporter dans des cérémonies de mariage, où un homme et une femme vont échanger leurs vœux et décrire et définir qu'est-ce que l'amour, 1 Corinthiens 13. Mais j'aimerais juste un instant, et si cette semaine tu peux relire 1 Corinthiens 13, pour que tu réalises que cet amour-là est d'abord et avant tout cet amour de Dieu pour toi. Alors que souvent, on le voit, l'échange entre un homme et une femme, il y a cet amour divin à Noël, Jésus est venu, cet amour divin pour toi. L'amour est patient. Dieu est patient envers toi. L'amour est bon. Dieu est bon envers toi. L'amour n'est pas rude, n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier de toutes tes fois où tu as tombé sombre et ou failli. L'amour ne se réjouit pas de tes méfaits. Au contraire, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, espère tout, endure tout et dure pour toujours. C'est cet amour que Dieu a pour toi. L'amour est né. C'est ça, c'est Jésus. Et 1 Corinthiens 13 va terminer en disant l'amour. Et, en somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ce n'est pas une émotion. Pas juste une émotion. Il y a peut-être des gens, peut-être que tu as dans ta tête en ce moment cette phrase-là où ce que tu penses à ton conjoint, ta conjointe, puis tu te dis, ah, je ne suis plus en amour. J'ai plus d'amour pour elle. J'ai perdu l'amour. J'aimerais dire, ça, c'est juste une émotion que tu as perdue. Parce que l'amour n'est pas une émotion, l'amour est une action. Et si tu as perdu de l'émotion, il est temps que tu commences à faire des actions qui vont nourrir l'émotion. L'amour, ce n'est pas une émotion, l'amour, c'est l'action. L'amour, c'est une, ultimement, l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Jésus. Jésus s'est fait chair, et s'est incarné, l'amour est né. Le troisième couplet continue à nous exhorter. Aux nuits de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux, ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus, en échange, leur sourit radieux. La foi de Noël. Troisième cadeau, c'est la foi de Noël. Vous savez, je l'ai dit, les bergers sont
sont donc juifs et ils attendent la venue d'un Messie, d'un Sauveur. Et ça nous dit que les bergers sont instruits parce qu'il y a un ange qui va leur apparaître pour leur annoncer la venue de ce Jésus, de ce Sauveur. Alors, ils reconnaissent cette annonce. Ça nous dit qu'ils sont confiants dans la voix des cieux. Ils sont confiants dans l'annonce des anges. Ils vont aller adorer leur Dieu. Vous savez, ce matin, je t'annonce un Sauveur. Je t'annonce un Sauveur. Je me sens un peu comme un ange. Où est-ce que... Ouais, merci. Je t'annonce un Sauveur. Ma job, c'est de t'annoncer Jésus. Je t'annonce un Sauveur. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette annonce? Les bergers ont reçu l'annonce. Ils ont mis leur confiance dans cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Ça a animé leur foi. Ils sont allés adorer. Est-ce que ce matin, alors que je t'annonce, tu vas mettre ta confiance dans cette bonne nouvelle de Jésus et qui va t'amener à adorer ton Dieu? C'est ce que je veux prier pour toi, que tu vives la foi de Noël. Sinon, en quoi crois-tu? En qui crois-tu? Qui adores-tu? C'est peut-être une philosophie ou une religion autre, et peut-être justement tu nous visites ici ce matin et honnêtement, j'honore la sincérité de ta foi. Mais voici ma question qui demeure. Est-ce que l'objet de ta foi, que ce soit une personne ou une croyance, peut sauver ton âme? C'est ma seule inquiétude pour toi alors que ton âme est en guerre. Est-ce que l'objet de ta foi peut te sauver? Parce que je réalise que les religions, la spiritualité, l'idéologie, la moralité même, tes bonnes actions ne peuvent te sauver. Même les meilleurs d'entre nous. Même les meilleures actions que nous puissions faire, même ton panier de Noël, ta générosité, tout ce que tu peux faire ne peut te sauver. Seul Jésus sauve. C'est pourquoi j'espère, je prie que tu mettes ta foi en Jésus. Si tu es en train de te noyer et que tu cries à l'aide, tu veux que je te lance une bouée, pas une banane. Jésus est une bouée. Jésus est une bouée. Tout le reste va juste te faire couler et t'amener à la mort. La mort physique, comme nous tous, mais aussi la mort spirituelle et la mort éternelle. Et c'est pourquoi je prie que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Il est digne de confiance, il est fidèle, il est vrai, il est concret, il est réel, il est né. Il a marché sur terre. Je ne te demande pas d'avoir un positivisme religieux, spirituel. Je suis un peu tanné de ça, du positivisme. Hein? De me faire dire tout le temps qu'il faut que tu te mènes sur quelque chose, il faut que tu sois positif par rapport aux choses. Puis si tu es assez concentré, focusé sur le positif, bien ça va changer ta vie puis ça va arriver. J'ai de la misère à me concentrer pendant 5 secondes consécutives. Là. Je peux-tu... Mène-toi. Je suis un peu tanné du positivisme. J'ai l'impression que c'est plus un déni de la réalité que de voir toujours les choses positives. Alors, je me suis fait frapper par une voiture. Le positif va dire, ah ouais, mais au moins c'était pas un camion. Ah, mais c'est une voiture, puis ça fait mal. Vous savez, le christianisme, c'est pas du positivisme. Le christianisme te dit, ce monde est laid, est cru, est réel, ce monde est brisé, ce monde est pécheur, ce monde est contaminé par le péché et tu as besoin d'un sauveur. Ton âme est en guerre, ton âme est morte, mais Dieu a pourvu pour une bonne nouvelle. Il a envoyé son Fils afin que tu mettes ta foi en lui et ainsi il puisse t'offrir l'accès à Dieu et la vie éternelle. C'est ça le christianisme. C'est pas de dire la vie est belle puis on a des licornes autour de nous. C'est de dire la vie est laide, mais Jésus, en Jésus, il y a une espérance. Tu peux avoir la paix, la foi, l'amour et l'espérance en Jésus. Yes. Et vous savez, mes amis, à l'opposé de la foi, ce n'est pas les doutes et les questionnements. Parce que souvent, les doutes et les questionnements, on pense que c'est le contraire de la foi, mais souvent, les doutes et questionnements vont même t'aider à raisonner ta foi et à faire progresser ta foi. Paul va dire, « Car je marche par la foi, non par la vue. » À l'opposé de la foi, il y a la vue. Et des gens, ne te fie pas seulement à ce que tu vois. Des gens, tu as besoin des preuves pour que Dieu existe. Ne te fie pas seulement à ce que tu vois. C'est ça la foi. C'est lorsque tu ne vois pas. Nous servons un Dieu qui est invisible. C'est ça la foi. Ne te fie pas seulement à ce que tu vois. Alors que tu vois des situations devant toi, c'est tellement tangible, c'est des situations catastrophiques. Ne te fie pas seulement à ça. Aie la foi.
En fait, je dirais autrement, la foi se manifeste lorsque tu ne vois pas. La foi va prendre place dans ta vie lorsque tu ne vois pas. Lorsque c'est ces moments de noirceur, tu dis, je ne vois plus rien, je ne vois pas devant moi. Je ne sais pas ce qui arrive. Dieu, tu es où? Il est où le chemin? Qu'est-ce qui se passe? On s'en va où? À ce moment-là, où est-ce que tu ne vois rien, c'est là que la foi commence à s'activer. C'est là que la foi, tu peux mettre ta foi en Jésus-Christ et prendre sa main, agripper sa main afin de le suivre. Vous savez, quand je joue à la cachette avec mes enfants, tout le monde se cache. On se cache dans les, on ferme les lumières partout, on se cache partout. Évidemment, la première réaction de ma fille, qu'elle ait à se cacher ou qu'on ait à trouver les gens, la première réaction, elle va venir dans mes jambes, me bloquer le passage pour me tendre ses bras. Tu sais quoi? Quand il fait noir dans ta vie, alors que peut-être tu vis la nuit, tu vis des choses difficiles, je prie que nous ayons la même réaction. Je veux avoir cette réaction-là où je me garoche dans les pieds de mon Père pour juste dire, Seigneur, prends-moi, amène-moi avec toi. Guide-moi. Trace le chemin pour moi. Lorsque je ne vois pas, je veux juste mettre ma foi en toi. Amen. Jésus prend alors notre main, nous prend alors dans ses bras et nous amène dans ce qui est devant nous. Dans tout ce qui est devant nous. Vous savez, l'année approche, l'année 2020 approche et il y a des gens, peut-être que tu as des aspirations, tu te demandes c'est quoi que le futur en réserve pour toi. Et face au futur, face à la nouvelle année, face à peut-être de nouveaux défis, peut-être toutes sortes de circonstances que tu déjà envisages en 2020, Il y a différentes réactions face au futur. Il y a des gens, tu es peut-être ici et tu as peur. Tu dis, j'ai peur. Puis quand on a peur de quelque chose, on recule. Et des gens, c'est au contraire, t'es out. Tu es un peu dans la folie. Parce que tu es prêt à te lancer dans la nouvelle année, wouh, sans plan, sans rien calculer. Tu dis, des nouveaux défis. Et il y a le croyant qui lui dit, j'ai la foi, je prends la main de mon Père, amène-moi dans la prochaine année. Amène-moi dans la prochaine année. Je ne sais pas ce que le futur tient entre ses mains pour toi, mais je sais qui tient le futur entre ses mains. Je sais que Dieu a un plan, que Dieu a un chemin tracé d'avance. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Et ça, je le crois. Ne regarde pas juste à ce que tu vois, mais mets ta foi en Dieu. Amen. Dans le noir, prends la main de Dieu. Et la foi produit toujours l'espoir. Voici le texte, le chant termine en disant « Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Fils bien-aimé. » Vous savez, je ne suis pas un gars de forêt ou de gars de scout là, ou quoi que ce soit, mais on dit souvent que quand on est perdu en forêt, si tu es perdu en forêt, ça te prend quatre choses. Hein? Ça te prend de l'eau, la nourriture, un toit et de l'air. Mais je rajouterai un quatrième élément. Un élément qui est obligatoire, un cinquième élément qui est obligatoire si tu veux survivre, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Si tu n'as pas d'espoir, tu ne survivras pas. Tu peux avoir plein d'éléments, si tu n'as pas l'espoir, tu ne survivras pas. L'espoir de Noël, l'espérance à reluit, c'est à toi que Dieu l'a donné. Il t'a donné quoi? Il t'a donné l'espérance. Il t'a donné qui? Il t'a donné Jésus. L'espoir est une personne, c'est Jésus. Tu peux mettre ta foi en ce Jésus parce qu'il nous amène l'espoir. Il y a de l'espoir parce que maintenant tu as accès à Dieu, parce que tu es maintenant sauvé de ton péché. Alors il y a un espoir pour ta vie spirituelle et éternelle. Mais il y a aussi un espoir pour ton quotidien parce que Jésus nous a dit, je marcherai avec toi jusqu'à la fin. Je marcherai avec toi, main dans la main, jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi tu peux t'accrocher à lui et avoir une espérance face à tes situations difficiles. Et les gens, tu embarques dans cette saison de Noël avec toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de situations difficiles. Juste là, à l'église, il y a quelqu'un qui me dit, dos barré, j'ai mal partout. Noël, mais j'ai mal partout. Un autre me dit, cette année, ça va être difficile parce que je suis en train de passer au travers de mon divorce. Puis je ne peux pas voir mes enfants à Noël. Ça, c'est la vie de Noël. Puis il faut se dire les vraies choses. Parfois, en tant que chrétien, on idéalise un peu Noël.
on idéalise Noël, on va mettre beaucoup d'espoir dans la nouvelle année. On va mettre notre espoir dans la nouvelle année, les nouvelles choses, un nouveau départ, on met notre espoir dans plein de choses concernant Noël. On met notre espoir dans notre famille, on met notre espoir dans les festivités, on va avoir des belles festivités, ça va nous apporter de la joie. On met notre espoir dans les cadeaux qu'on va recevoir, qui vont nous donner du bonheur. On met notre espoir dans les cadeaux qu'on va donner, qui vont donner du bonheur. Puis on met notre espoir dans les réactions que les gens vont avoir. Hein? Ah, j'espère qu'ils vont être contents. Hey, moi, j'ai déjà donné, l'année passée, j'ai donné un drum électronique à mon fils parce qu'il aime bien ça. Vous auriez dû voir sa réaction. Wow, on était contents là. Hey. Hein? Je ne savais juste pas comment réagir. On met notre espoir dans toutes sortes de choses. On met notre espoir dans Noël. Tu mets ton espoir dans cette nouvelle saison pour avoir des vacances. Tu mets ton espoir pour avoir du repos. Bonne chance, mon ami. Tu n'en auras pas à Noël, non, je veux dire. La réalité, je ne veux pas te faire de peine, mais il n'y a personne ici qui va vivre un Noël parfait cette année. Pourquoi? Parce que les circonstances sont imparfaites. Parce que nous sommes imparfaits, parce que les gens qui nous entourent sont imparfaits, parce que nos attentes que nous mettons envers nous-mêmes et envers les autres sont imparfaites. On va se faire décevoir. Ça va être imparfait. Il va y avoir des choses qui tournent pas rond, qui sont comme, pas comme on espérait, pas comme on voulait. Il y a des traditions qui vont s'éteindre. Je veux t'inviter à ne pas mettre ton espoir dans la journée de Noël, mais mettre ton espoir dans celui que nous célébrons à Noël, Jésus-Christ. Ce matin, ce n'est pas juste un message de Noël. Je crois que c'est un message de vie, un message d'espoir, de foi, d'amour, de paix pour toi. Et peut-être justement, tu es perdu dans ta foi. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu as perdu, tu n'as plus confiance en Dieu, tu sais. T'es perdu dans tout ça. Jésus veut être ta foi. Peut-être que tu as perdu de l'espoir en ce moment, parce que tu as accumulé les mauvaises nouvelles, tu l'as accumulé, puis tu te dis, il n'y a pas rien de bon qui va m'arriver à moi. Tu as perdu de l'espoir. D'autres gens, tu as perdu l'amour. La personne qui te comblait d'amour humainement n'est plus là. Il y a des gens qui ont juste besoin d'amour. T'as essayé à droite, à gauche, mais t'as besoin de recevoir un amour puissant et parfait. Il y a des gens, tu n'as pas la paix avec Dieu. T'es pas en paix avec Dieu. Puis t'es pas plus en paix dans ton quotidien. T'as perdu la paix. Je crois que ces quatre éléments se retrouvent dans la seule et unique personne de Jésus. Et c'est pourquoi je prie que Jésus soit différent cette année. Que Noël soit différent cette année. C'est pour ça que je t'invite et je te défie à suivre Jésus, à t'accrocher à Jésus. Vous savez, pour plusieurs personnes, tu hésites. Tu hésites. Tu hésites à juste te lancer puis juste suivre Jésus. Vous savez, je raconte une petite anecdote. J'ai réalisé quelque chose hier. Alors que, parce qu'on a ressorti les fusils à la maison. Et donc, on a fait une sixième guerre mondiale hier à la maison avec les fusils Nerf, puis tout ça, puis on avait bien du fun, puis les fléchettes. Puis je réalisais que, parce qu'actuellement, on n'a pas des munitions illimitées, OK? Parce qu'on n'a pas encore déballé les cadeaux, OK? Mais ça s'en vient. Mais aujourd'hui, on avait juste un petit nombre de munitions, tu sais. Puis là, on avait du fun, tout ça. Puis je réalisais que j'étais plus stressé à savoir où est-ce que les flèches vont tomber pour m'assurer de ne pas les perdre. Parce que j'aime ça quand les choses sont à leur place, j'aime ça quand on achète des affaires, on ne gaspille pas, on ne les perd pas, on les a, sont à leur place. Alors, j'étais là, je jouais, puis je réalisais, OK, non, il y a une flèche là, il y a une flèche là, une flèche là, il faut les ramasser, après on ramasse tout, j'en veux pas, je ne veux pas en voir qui traîne, je ne veux pas en perdre une. Est-ce que tu me suis? J'avais aucun fun, là. Aucun plaisir, j'étais juste stressé à savoir ce que sont les flèches. Tu me dis? Voici l'application. Et des gens, c'est exactement comme ça dans ta vie. Tu es plus stressé à savoir où est-ce que cette décision de suivre Jésus va arriver, va tomber, où est-ce qu'elle va être,
que tu ne te laisses pas juste t'élancer, juste avoir du plaisir, juste laisser faire ça, puis faire confiance à Dieu. Juste laisser les choses aller, puis dire, Seigneur, quoi, tu sais quoi, je mets ma confiance en toi. Amène-moi où tu le veux. Je mets ma vie, je m'abandonne. Je veux pas stresser à savoir où est-ce que ça va me mener, tout ça, qu'est-ce qui va se passer, là, ça veut dire quoi dans le concret? C'est quoi? J'ai une décision à prendre. Je fais juste t'élancer dans les bras de Jésus ce matin. C'est ce que je prie pour toi. Que tu puisses juste te lancer en ce Noël 2019 dans les bras de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous ensemble.